Bonsoir à tous, c'est Lestat, content de vous retrouver aujourd'hui pour découvrir Police Simulator. Patrol Officer, hein, c'est un jeu qui est édité par Astragon, hein, les célèbres éditeurs qui n'arrêtent pas de sortir des jeux de simulation. C'est un jeu qui était déjà sorti hein, depuis 2021, et sachez que si vous avez l'abonnement Extra Premium, le jeu il est inclus depuis mardi normalement. Vous pouvez y jouer gratuitement. Grâce avec votre abonnement. Alors moi j'ai récupéré la version boîte, version gold, et du coup depuis mardi normalement il y a l'extension du jeu. Ouais, le voilà, c'est Justin. Ah merde, j'ai laissé la voix, faut que j'enlève la voix. Et du coup depuis mardi ils ont rajouté aussi l'extension Highway, je sais plus quoi d'ailleurs. Ça ouais, pas trop l'expansion je crois, et ça va rajouter du gameplay, à savoir que ça rajoute des courses poursuites sur autoroute. Donc il y aura des missions à faire sur autoroute. Donc j'ai joué pas mal hein, pour essayer de vous débloquer pas mal de choses pour pouvoir vous montrer un maximum un peu du gameplay. Donc c'est plutôt pas mal. Attendez, je vais enlever la voix de l'autre là parce que j'avais pas vu que j'avais laissé la voix du chat de la VR. Hop, je vais l'enlever parce qu'elle va m'énerver. Tac. Voilà, on va l'enlever la voix. Hop. Et du coup, on va y aller, on va y commencer ensemble. Donc voilà, vous sachez que j'ai récupéré le jeu Gold, hein, il était pas trop cher, il était à 40 € pour avoir la version avec l'intégralité de tous les DLC. En plus, je savais même pas que je récupérais le tout nouveau DLC qui est sorti justement mardi. Donc du coup, c'était tout bénef. Donc voilà, let's go, on est parti. À savoir qu'au début, on peut choisir homme, femme, on peut customiser, je vais vous montrer ça tout de suite. Mais le jeu, il est très beau, vraiment très fun. J'aime beaucoup. Bah, ça va bien, nickel. Plutôt la forme. Attendez, je me rapproche un peu parce que c'est écrit un petit peu petit. Et moi, je suis un peu miro hein, quand même. Alors, une nouvelle journée au bureau. Jetez un œil sur votre patrouille disponible, etc. Ok, d'accord. Donc ça, c'est une journée type que voilà, que l'on va avoir. Donc voilà notre carte. Voyez, je vous montre un peu de la carte de la patrouille. Au fur et à mesure, on a un secteur et au fur et à mesure que vous avancez, vous allez débloquer plusieurs secteurs dans le jeu. Voyez un peu, on commence par un secteur, je sais pas où on avait commencé. Et puis au fur et à mesure, vous débloquez Chester, Beaufort, Landing, etc. etc. Il faut récupérer un peu des étoiles. Vous avez un peu dans la partie de mon profil, j'en ai 7 sur 30. Et sachez que voilà, il faut récupérer 10 chaque étape. Débloque des capacités. Alors on commence dans North Point en fait. On débloque. Alors moi j'ai tous les DLC donc forcément j'ai tout. On débloque les contraventions. Après on a le pistolet de radar. On peut s'occuper des accrochages quand il y a des accidents. On peut appeler des patrouilles en voiture. Enfin bref, c'est plutôt pas mal. Je vais essayer de vous en montrer. C'est plutôt vraiment très stylé. Donc chaque jour on est sur notre ordinateur et on choisit un secteur. Donc on peut faire deux nuits, deux jours, je vais montrer deux jours quand même. Hop, on choisit le secteur, je vais aller à Beaufort Landing, on y va. Donc là il y a un petit descriptif, voilà, notre durée de patrouille dure 35 minutes. Hop, on y va, on clique. Alors savoir que c'est un jeu multi aussi, hein, qui se joue au maximum deux joueurs en ligne. Et il faut un abonnement évidemment pour pouvoir y jouer. Donc voilà notre personnage, au début on peut le customiser, à savoir qu'on peut aussi changer... on peut personnaliser notre personnage à partir d'un moment où vous avez débloqué pas mal de costumes, voilà un peu. Alors moi j'ai récupéré tous les DLC, donc du coup j'ai tous les tenues. Ça c'est plutôt cool, vous voyez un peu, tac tac, plutôt sympa. Hop, moi je vais laisser comme ça. Oh, je sais plus comment j'étais. Alors il y a la version homme et femme, on peut mettre des chapeaux. Voilà, il y a différents chapeaux que l'on peut mettre. Ils ont même joué sur un peu de délire. Tête de nounours. Voilà, plutôt sympa. Hop. Alors moi, j'en mets pas pour le moment. On a le torse, les pantalons, les chaussures, la ceinture aussi. On peut mettre des trucs de ceinture si on veut. Enfin bref, on peut customiser. Donc ça, c'est plutôt sympa pour ceux qui aiment bien customiser votre personnage. Donc du coup, on y va. Let's go. Alors on a notre radio qui est allumée. Alors des fois je l'éteins parce qu'il y a plein de... Il y a plein d'appels, tu peux pas t'occuper de tout.
Alors, accepté. Alors, à savoir qu'on a nos trous. Alors là, au début, on est un peu limité. Moi, j'ai débloqué pas mal de choses. Donc, du coup, j'ai dû débloquer la lampe de torche. Quand on travaille de nuit, des fois, il y a des endroits sombres. On a le pistolet radar pour les excès de vitesse. On fait des gestes avec la main pour la circulation. On est équipé d'un panneau stop pour arrêter les véhicules à pied. On a un appareil photo, hein, vous allez, je vais vous montrer un peu à quoi ça sert. Ordinateur de police et équipé du pistolet paralysant. Voilà, qui est non létal. Alors, entretien des routes. On peut faire l'entretien des routes aussi. Allez, on va faire l'entretien des routes. On y va, let's go. Pareil, on a une vue interne, tout ce qu'il y a de plus basique avec l'écran à côté. On a les sirènes. On peut y aller. Franchement, le jeu, il est très très beau, très propre. Alors forcément, ça lag un peu. Et l'affichage, évidemment, hein, c'est toujours le petit problème avec les jeux de simulation. Mais sinon, le jeu, il est vraiment très sympa. J'aime bien. Alors forcément, il y a eu pas mal de mises à jour hein, depuis. Hein. Alors du coup là on va enlever les déchets qui sont sur la route, voyez un peu, hein, qui va gêner et qui risque d'avoir des accidents. Du coup hop, on va enlever ça. Hop, on y va. On va enlever ça, sinon il risque d'accident et ça c'est moche. Hop, on voit ça. Alors on peut essayer de trouver un véhicule volé. Attendez, ça c'est bon, j'ai tout pris. Ah c'est bon, je crois. Je vais prendre autre chose. Hop, on avance. Bon, pareil, hein, on a des points de bonus et de malus qui apparaît quand on se trompe, quand on fait des mauvaises arrestations, quand on arrête des personnes alors qu'ils devaient pas, ou on verbalise des personnes alors qu'ils devraient pas être verbalisés. Eh ben, on est pénalisé dans nos 10 XP. Oh, salut à toi les stats, salut Don Bonzol, j'espère que tu vas bien. Gérer les accrochages, on va aller sur un accrochage. Vous allez voir qu'on va gérer un peu les accidents de voiture. Je vais allumer la sirène et on va y aller. Bon ouais, très bien. Ça va très très bien. Allez, on va aller voir, normalement il y a eu un accident, vous allez voir un peu comment on gère un peu les accidents. Alors savoir que dans le jeu, on gère vraiment tout. Hein. On gère les trafiquants de drogue, les voleurs, les alcooliques au volant, on renseigne des personnes quand aussi, quand ils cherchent une adresse, quelque chose, eh ben on les renseigne. On fait vraiment de tout, de tout, de tout, c'est vraiment, il est assez complet, hein. Honnêtement, il est vraiment très complet. Il y a des poursuites un peu aussi. Alors j'ai pas encore testé le DLC hein, des missions sur autoroute. Ah merde! Ah je l'avais pas vu. Ah merde, il m'a défoncé la voiture. Oh le chien. Attends, je vais faire un constat normalement gars. Terminez-vous d'occuper l'accident, la voiture. Je vais faire. Regardez, je vais dire, je voilà, je fais. Would you please show me your driver's license and registration? Okay, officer. There you go. Je l'envoie, voilà, notre assurance. Vu que je l'ai défoncé, voilà. This is your accident. Veuillez vous rendre au poste le plus proche pour déposer un dossier. La pose des boutons ne s'occupera du reste. Voilà. Ça, c'est assez marrant, en fait. C'est quand c'est nous qui causons les accidents, eh ben, on leur envoie excuse, on s'excuse, hein. On s'excuse de l'accident que l'on a provoqué. C'est assez marrant, franchement, c'est plutôt cool. Ah, bon, allez, on va aller sur notre truc accident qui est juste à côté, en plus, putain. Ah, je l'ai défoncé. Ah, merde, attends, j'ai oublié d'appeler... Bon, tant pis, pardon. Je voulais appeler une dépanneuse, mais tant pis, c'est pas grave, je vais aller sur l'accident que je dois gérer, qui est ici. Voilà, donc c'est ici apparemment. On va gérer l'accident qui est juste là, ok.
Central 4561 responding. J'ai les portes, ils tiennent même plus. Bah, let's go. Du coup, on va interroger les personnes, en fait. On va y aller un peu. Donc, lieu du crash, je vous montre. Là, on va interroger chaque personne pour voir un peu ce qu'ils ont à dire. Et là, du coup, on a notre menu qui nous permet de verbaliser, menoter, accuser, etc. Voilà. Donc, on va interroger le témoin. Alors, il était en excès de vitesse, apparemment. Il dit qu'il était en excès de vitesse. D'accord. Là, on va lui prendre sa carte d'identité et son assurance. On va vérifier si c'est valide. Donc là, normalement, il doit... Déjà, il n'est pas bon. 7-12... Il expire le 7-12-2021. Donc déjà là, je peux déjà l'allumer parce qu'on est le vendredi 18-11-2022. Là, il est plus bon. Et son assurance, par contre, est plutôt bonne. Alors pour savoir, on allume notre pavé tactile pour aller sur notre ordinateur. Et là, on voit tout de suite les détails. Statut de pièce d'identité, date de validité dépassée. Et statut de l'assurance invalide. Donc il y a l'intégral. Hein. Permis expiré et puis l'assurance, que dalle. Donc grâce à ça, on peut tout savoir. Ce dossier d'infraction, s'il a le droit de porter des armes, etc. Mandat d'arrêt aussi. Donc lui, déjà, il est mal barré. Hein. On va le faire souffler, vu qu'il y a eu un accident. On va, du coup, le faire un petit test d'alcoolémie. On le fait souffler. Bon, il a rien du tout. Donc là, c'est bon. Je reviendrai après, hein, pour lui verbaliser après. Mais lui, il a la togatale. Hein. Elle, du coup, on va voir un peu son point de vue. Ok, donc là, elle est complètement sonnée, par contre. On regarde un peu sa carte d'identité, enfin, c'est plutôt son permis de conduire. Donc, clairement, il est valable, hein, c'est qu'en 2024. Et son assurance est valable aussi. Mais on va regarder quand même sur l'ordinateur. Alors là, par contre, je sais pas ce que ça veut dire quand l'ordinateur trouve rien du tout. Alors je me demande si c'est pas parce que c'est un permis non valide. J'ai un doute. Ça, c'est le seul truc que j'ai pas compris encore. Donc, tac, on va le faire souffler dans. Hop. Test d'alcoolémie. C'est pour un conduit sous influence de l'alcool. Ah, ben voilà! Normalement, on a le droit à jusqu'à 0,8 normalement. Donc, du coup, elle, pareil, elle roulait sous alcoolémie. De toute façon, elle était stone, hein, donc à mon avis. Elle, déjà, on va la menotter normalement. Je vais attendre un peu, je vais voir les versions des autres. Et normalement, il y a elle aussi. Alors, on va voir un peu. Est-ce que vous. Non, cette personne allait beaucoup trop vite. Donc tout le monde est d'accord que l'autre personne allait beaucoup trop vite. Je vais lui demander. On va regarder un peu son permis. Alors permis, alors il est valable jusqu'en 2023. Et son assurance par contre, oh là là, dans le temps. Ah sinon j'avais cru à la date de naissance. 2025, normalement c'est bon, on va regarder un peu son dossier. Statut d'enregistrement invalide. Ça, par contre, je sais pas c'est quoi en fait. Je sais pas si on peut verbaliser parce que c'est invalide. Ça, je sais pas du tout. Par contre, j'ai un doute. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Et du coup, donc ça, c'est bon. On va le faire souffler. Donc là, elle est bon. Sous l'influence de l'alcool. Ah ouais, sérieux? Ah ouais, conduisez sur la forme... C'est bizarre, ça. Ok. Tac. Alors, du coup, on va virer ça. On va aller voir l'autre. On va voir un peu. J'étais très pressé et j'ai conduit trop vite. Mais excusez, monsieur l'agent. Donc, lui, il roulait trop vite, déjà. Déjà, on va déjà le verbaliser parce qu'il roulait trop vite. Pas du tout. Ok, officer.
Et là, je peux arrêter tout le monde hein, si je veux. Ils ont tous un problème. Hein. Du coup, score 2023, donc ce permis, il est bon. Et normalement, son assurance aussi. On va regarder son dossier. Permis d'armes, etc. Dossier d'infraction, il y a eu coups, blessures, possession de cocaïne. Oh, il y a déjà eu des coups de cocaïne. Ok. On va le faire souffler dans le ballon. Police officer is in pursuit of a suspect. 063. Ok. Parce que j'ai un truc, j'ai un doute sur un truc en fait. Attendez, j'ai un truc, je sais plus c'est quoi le taux d'alcoolémie qui était accordé en fait. Attendez, j'ai un doute. Des d'alcoolémie, je sais plus ça jusqu'à combien. Combien d'alcool. This is Patrol 4561. Ah oui, le taux d'alcoolémie par la loi est de 0,008. D'accord, 0,08. 0,08. Il a eu combien lui? Je me rappelle plus. 0,08. Kindly cooperate as I collect a sample to see if you're drunk. This is Patrol 4561. I'll look after. Ah donc lui il est bon normalement. Lui il est bon. D'accord. L'autre il était pas. L'autre elle était pas bonne. D'accord. Ok. Donc là, on va prendre des photos des preuves de l'accident avec l'appareil photo. En fait, on va prendre des photos de tous les dégâts qu'il y a, tous les impacts, pour faire un procès verbal, en fait, des dégâts. Pour établir un constat, plutôt. Je regarde un peu. Les impacts. Hop, quelqu'un essaie de voler un véhicule, l'attraper. Lui, oh, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Et le gars, il vole la voiture alors qu'il est juste là en plus. Il est ouf, hein. Bon, tant pis. Vas-y, mais vole la voiture. J'ai pas le temps. Hop. Alors, voyez, ce procès verbal est suffisant, mais on peut continuer. Et vous voyez qu'on a la progression de preuves, en fait, hein, pour le constat. La barre, elle monte au fur et à mesure qu'on trouve les bons. Hein. Des bons trucs. Tac. Donc là, c'est bon. Je vois un peu. Non, moi, je crois que j'avais pas fait ça de côté-là. Si je l'ai fait. Avec le camion, on a lui aussi. Tac. Voilà. Oh, je peux encore, normalement. Je pense que je peux encore en faire. Tac. Le camion, il n'y a plus rien, je pense. Je pense que là, c'est bon. Ah si, là, à l'arrière. Je n'avais pas vu. Pare-choc arrière qui a pris. Alors, ce qui est chiant, c'est que la radio, une fois que tu l'enclenches, oh là, tu as des appels tout le temps. Même quand tu es occupé sur une affaire, des fois, c'est un peu relou. Voilà. Je ne sais pas si... Là, c'est bon. Ah merde, j'ai oublié. Attends, si je l'ai fait... Bah c'est plutôt pas mal hein, je crois, hein. Je crois que j'ai pris pas mal de choses. Alors une fois qu'on a fait ça, en fait, on va en fait verbaliser, enfin remplir les constats. Sauf que lui, je crois que... Merde, je sais plus qu'est-ce qu'il avait lui en fait. C'est quoi qu'il avait? Je crois qu'il y avait un problème avec... Oh, je me rappelle plus, attends. Attends, je crois que c'est... je crois qu'il y avait un problème avec ses papiers. Attendez, je redemande ses papiers. Moi, il y avait un problème avec les papiers. Ah oui, c'est ça, un carte d'identité qui était pas bonne. Et c'est ça. Hein. Ah oui, je crois que c'était intégral. Ok, donc lui déjà, je l'allume. Alors lui, il avait vraiment pas de bol. Hein, parce que lui, en fait... Et je sais plus si... Non, il était pas sur le con. On t'a l'air 008. Hein. Donc là, il avait rien. Donc ça, c'était bon. Donc il y a juste ça qu'il faut que je verbalise, en fait. Bon, du coup, constat, conducteur, on a un défaut d'assurance et on ajoute... Voilà. Constat, contravention. Attends. Contravention, c'est ça, hein. This is Patrol 4561 speaking. I can look for that vehicle.
Attends, contravention. Attends, j'ai un doute. Attends. Défaut. Défaut. Contravention. Ajouter. Et on a la pièce d'identité qui est périmée. I can look for that vehicle. Confirmé. Tac. Attends, j'ai un doute. Ah oui, c'est retour. J'ai cru que j'annulais le truc. Donc là, il a tout ça. Constater toutes les infractions. Et voyez en haut à droite, j'ai eu des points d'XP. Enfin, c'est comme des points d'XP en fait. Parce que j'ai donné les bonnes, j'ai trouvé les bons trucs en fait, les bons défauts. Du coup, il y a tout ça, je lui donne son procès machin, verbal. Merci, rapport d'accident. Et du coup, il peut se barrer maintenant. Hein. Je vais pas le fouiller, ça sert à rien. Je vais le laisser tranquille. Du coup, lui, il peut se barrer. Alors lui, du coup, il va se barrer. Je sais pas s'il peut reprendre le véhicule. Ou sinon, il faudra que j'appelle la fourrière. Non, c'est bon, le véhicule, il peut rouler. Alors elle, elle avait picolé, je crois. Hein. Attends, je vais genre vérifier les papiers, mais je crois qu'elle avait picolé. Niveau des papiers, je crois qu'on était bon, hein, je crois. Ah non, il était pas bon. Rien du tout qui était bon. Je pense que c'est un faux, en fait. Je crois que c'est un faux, hein. Je sais pas, j'ai un doute. Du coup, et l'alcoolémie, je crois qu'elle est au. Elle avait picolé, je crois. De toute façon, elle titube, la pauvre. Ah ouais, largement. Normalement, on autorise 0,08, et là, elle est 0,16 largement. Donc, elle est mal barrée. Et je crois que normalement, je peux carrément la jarter, en fait. Je peux la menoter, en fait. Est-ce que je la verbalise? Oh, non, je l'arrête carrément. Attends, tac. Déjà pour défaut, faux certificat, non. Fausse pièce d'identité. You've committed a violation by carrying a fake ID. Non, c'est pas pour ça que je voulais faire. Il n'y a pas que ça. No, don't. Please, officer. Est-ce que c'était ça? Attends, j'ai un doute. Je ne veux pas l'enlever. Raison d'inculpation. Attends. Narcotique. Conduite en état d'ébriété. Ok. Donc là, je l'achève avec ça. Et en plus de ça, je lui donne quand même son procès verbal, quand même. Hein. Je lui donne malgré qu'elle est attachée. Mais je crois que c'est bon, en fait. Hein. C'est parce que quand ça ne montre pas, c'est vraiment parce que la carte d'identité était fausse. J'avais un doute. Mais apparemment, c'est ça. C'est cool. Conducteur, défaut d'assurance, pièce d'identité périmée, non c'était pas ça, et il y avait un défaut d'assurance. Non, je crois que c'est bon, je crois. Tac, et du coup on va plutôt fouiller la voiture, du coup on va la fouiller. D'ailleurs, on va peut-être retrouver des de la drogue ou je sais pas quoi peut-être. Et là, on en trouve un briquet, livre de poche, smartphone. Ok. Eh ben, c'est bon. Appelez. Ok. Backup requested to take a suspect into custody. Patrol 4561 responded. I will locate the vehicle. Donc là, j'appelle quelqu'un pour venir la chercher. Ok, donc là, elle est là-haut. Nous, on va fouiller du coup la voiture, on sait jamais. On va peut-être trouver des trucs intéressants. Aucun, il n'y a rien du tout. J'ai regardé un peu à l'arrière, s'il n'y a rien dans le coffre. Voyez un peu, elle est partie rechercher. Rien dans le coffre. Du coup, elle a parti l'embarquer. Attends, je vous montre. Du coup, il l'embarque et moi, je vais appeler la fourrière pour enlever la voiture. Tac. Can you send a tow truck to my current location? Ça devient le bordel en fait. J'aurais dû bloquer la rue, mais je l'ai pas fait, mais bon, c'est pas grave. Et il y a des panneuses qui est là-bas. Elle va partir. Voilà, donc elle va partir normalement.
tac, et la dépanneuse. Gars, je vais vous montrer un peu, vous allez voir la dépanneuse, comment elle va ranger la voiture. C'est hyper rapide. Hein. Regardez, c'est hyper rapide. C'est bien fait quand même, hein, mais c'est hyper rapide. Et là, il prend la voiture. On dirait la grue de Truck and Logistics, en fait. Quand il prend les gros conteneurs. Hop, la voiture, elle est rangée, nickel. Et hop, au revoir. Ok, donc, c'était quoi le problème? Je me rappelle même plus, du coup, les problèmes qu'elle avait. Fouiller le véhicule, acheter une panneuse, non. Je sais plus c'est quoi son problème. Je crois qu'elle aussi, elle avait picolé, je crois. Attends. Je crois qu'elle avait picolé aussi, il me semble. 0,08, et là, 0,018. Ouais, donc du coup, ouais. Donc du coup, et là, c'était bon, je crois. Hein. Je sais plus pour... Je m'en rappelle déjà plus. Je l'ai fait tout à l'heure, je m'en rappelle déjà plus. Je regarde un petit peu. Alors 2023 et ok d'accord, donc ça je fais comme ça, c'est beaucoup plus vite. Et statut d'enregistrement invalide, ok, donc ça c'est bon. Ok, donc du coup je vais quand même lui donner son procès verbal. Thank you so much, officer. Bon, ouais, je vais laisser repartir quand même, fouiller, et je vais laisser repartir. We're done. You can leave now. Have a good day. Là c'est bon, et du coup est-ce qu'elle peut reprendre le camion? Non. Putain, faut que j'enlève le camion aussi. Oh, c'est une chose, ça. Attends. On va enlever, du coup. Attends, j'ai envie de voir comment ils vont faire, parce qu'il est énorme, le camion. Comment ils vont faire pour enlever le camion. Putain, j'ai ma voiture, elle est morte. J'ai eu un accident tout à l'heure. Elle est complètement morte. Je sais pas s'ils vont venir. Je sais pas. Alors, et lui, c'était quoi le problème? Je sais plus. Je crois qu'il avait picolé aussi, il me semble. Please cooperate peacefully while I take a sample to check if you're drunk. Sorry, I cannot look for the vehicle. 0062, donc non, c'est bon, c'est 063. C'est 08, donc ça c'est bon. Tac. Et par contre, lui, ah oui, il excède vitesse, lui, tant. Je lui ai donné son procès machin. Mais lui, il était en excès de vitesse. Et c'est lui qui a causé. Donc du coup, on va faire. Effraction, voiture, défaillance moteur, vitre teintée, conduite, excès de vitesse. Voilà, contravention. Voilà. Oh non, moins 5, sérieux? C'était pas ça en fait. Et pourtant, il avait dit qu'il roulait. D'accord, bon bah. J'aurais peut-être pas dû faire ça, c'était le truc en trop en fait, j'aurais pas dû. Je vais laisser partir. Bon, c'est pas grave. Allez, il peut repartir avec sa voiture. Par contre, le truc, le camion, je sais pas comment ils font pour... Comment tu fais pour jarter le véhicule? Ah, remorquage. Ah ouais, mais je l'ai pas débloqué. La dépanneuse, elle peut pas tirer ça en fait. Bon, bah, c'est ton pire. Ils se démerderont. Allez, let's go. Du coup, moi, je me casse avec ma voiture poutre. Je vais plutôt la ramener, j'en prends une autre. Je vais reprendre un autre véhicule. Ah, bah, ça, c'est tout prêt en plus. Nickel. Oh, la voiture, j'étais complètement déglingué. Hop, il faut que j'aille là au moins. Tac. Attends, je vais voir si je peux passer par là, non? Si je peux passer par là. Je passe par là, désolé les gars. Ah, attends, je crois qu'on peut passer par le garage. Entrez dans le garage. On a le garage et grâce à ça, on peut normalement les choisir nos véhicules. Alors moi, j'ai débloqué pas mal de véhicules parce que j'ai les DLC. J'ai l'intégralité des DLC. Du coup, je peux choisir n'importe quel véhicule. Donc ça, c'est plutôt cool.
Le petit véhicule est plutôt sympa, j'aime bien. Je vais prendre celui-là. Patrouilleur. SPL. Patrouilleur, parking, tac. Consulter la page du magasin, changer d'apparence. On peut changer aussi l'apparence des véhicules, vous voyez un peu. On peut changer un peu les skins, ça, c'est plutôt sympa. Oh, noir, franchement, il est trop cool. En voiture de shérif, ça fait shérif de banlieue en fait. Tac. Ah, sur tous les véhicules, c'est le même skin en fait, d'accord. Plutôt cool. Ok. Enfin, presque les mêmes skins. On peut pas mettre tous les mêmes skins sur tous les véhicules, ok. Changer les apparences, anglais. Et pareil, là, on va pouvoir aussi... alors, fusée éclairante. Ah, mais voilà, c'est ça que je cherchais la dernière fois. Tac. Une herse. Il vous manque des étoiles pour... Ah, mais d'accord. J'ai pas assez d'étoiles. Enfin, après, on va pouvoir mettre tout ça, en fait. Fusée éclairante. Il vous manque des étoiles pour devoir débloquer ces fonctionnalités. Ouais, ok. Il faut que j'avance. Il faut que j'améliore un peu mon niveau, en fait, pour débloquer tout ça. De toute façon, c'est plutôt cool. Après, on peut charger, en fait, les véhicules. Une fois qu'on pourra tout débloquer, ça va être vachement classe. Mais pour le moment, je peux pas. Voilà. Tac. Bon, allez, on repart en patrouille, du coup. On n'a pas utilisé son clignotant. Ok. Ah! Je vais attendre que il soit vert. Il va se garer, il n'a pas mis son clignotant apparemment. Du coup, on va l'arrêter. Ouais, shoot, il a grillé le feu. Ah, mais je peux l'arrêter là tout de suite? Attends, est-ce que je peux l'avoir tout de suite? Attends. Parce que je suis au milieu de la route, mais ça craint ça. Non, non, je peux pas encore. C'est bien ce qui me semblait, j'avais un doute. Il roule plus! Tous les conducteurs ont reçu un procès verbal, c'est bon. Ok. Ah, mais j'ai l'impression que ma journée elle est terminée en fait. Ah, mais j'ai ma journée, elle est terminée! Ah, ok. Non, presque. Alors, je sais pas pourquoi elle veut pas... Pourquoi elle veut pas me suivre? Pourquoi tu fais pas avancer, toi? This is Patrol 4561. I can take that. Ah, ça y est. Et puis il était là pour l'enquête, sérieux? Mais il est cool! Pourquoi il est plus là pour l'enquête? Excusez pour l'accident. Alors ce qui est marrant, c'est que je l'ai arrêté parce qu'il avait grillé, enfin il n'a pas mis son clignotant. Et en fait, je lui fonce dedans et je suis obligé de lui faire un constat. Ça, c'est nul. Hein. Ok, bon bah pourquoi pas. Hein. Such an extensive report. I apologize for the accident. You don't need to worry about anything. Bon bah je m'excuse, hein. You're good to go. Drive safe and have a nice day. Locating the vehicle is currently not possible. Bon bah voilà, hein. Tant pis. Hop. Ce sera pour autre chose, une autre fois. Du coup, on va peut-être faire un peu des verbalisations, en fait. On va verbaliser un peu les... Attends, j'ai plutôt enlevé... Hop, j'ai plutôt enlevé le truc, là, parce que le GPS... Ce qui m'énerve. Et du coup, on va mettre des contraventions. On va garer notre véhicule. Et on va mettre des contraventions. On va faire des excès de vitesse. Ça va être plutôt sympa.
Hop. On va essayer de garer notre véhicule là, attends. On va se mettre là. Ouais, tant pis, je vais laisser là, de toute façon. Après tout, je suis flic, hein. Je me mets où je veux. Et du coup, on va essayer de verbaliser tout le monde. Ah. Salut. Bon, pareil, il y a des gens qui nous disent bonjour. Alors, on leur dit, on leur rend l'appareil, hein. Et on leur dit bonjour. Il y a des endroits aussi pareils qu'il faut débloquer, des bars, des lieux, des monuments, etc. qui nous servira par la suite pour... Regarde, pour les aider justement. Il y a mettre en garde à vue quoi ? Indiquer un chemin. Vous voyez, le monsieur il demande une direction quelque part. Vous pourriez m'indiquer l'emplacement du restaurant Steak and Whiskey ? Steak and Whiskey. Alors, il veut l'endroit Steak and Whiskey, donc ça a l'air d'être un truc de bouffe. Et du coup, si je l'ai débloqué, je pourrais vous l'indiquer en fait. Un Steak and Whiskey. Ok, donc ça c'est tout ce qui est. Steak and Whiskey. J'espère que je l'ai débloqué. Ah, ben voilà. Vous voyez, une fois qu'on l'a débloqué, on dit ok, on l'a. On valide, et là on oriente le gars. On l'a orienté, on l'a renseigné, et du coup il est content. Et voilà. Nickel. Tout simplement. Du coup, c'est plutôt cool, hein. Franchement, c'est plutôt cool. On va faire un peu les excès de vitesse. Attends, tac, je prends ça. On a notre appareil qui est juste ici. Alors ici, ça va être chaud parce que c'est juste un... Comment dire, il y a le feu rouge. On va plutôt aller un petit peu plus loin pour pouvoir en griller quelques-uns. Je vais m'avancer un petit peu. Comme ça, ils ont le temps d'accélérer. Je vais me mettre là en fait, je vais me positionner ici. Ça me paraît plutôt pas mal. Et là, avec notre appareil, on va pouvoir les contrôler. Là à 35, donc s'il était à 35 ici. Là c'est bon. 35 pareil. Ouais, j'essaie de vous en montrer un pour. Faut essayer d'en griller un, voir. Bon, c'est quand il veut, hein. Souvent, c'est les taxis qui roulent beaucoup, beaucoup vite. Enfin, en tout cas, jusqu'ici, j'ai eu beaucoup de taxis qui roulaient très vite. Non. Il n'y a personne. Oh, allez, j'ai envie d'en griller un, s'il vous plaît. Non. S'il va arriver. Ils vont peut-être arriver vite, attends. Oh oui, je l'ai eu. 38. Vous voyez un peu, hop. Encore, si je durais un petit peu plus longtemps, il allait presque à 40. Donc là, j'en ai grillé un. Et quand on fait ça, on a des bonus. Vous voyez un peu, j'ai un bonus 10 parce que je suis dans la bonne, dans le bon secteur. Il nous dit signaler les essais de vitesse avec pistolet radar dans le secteur de Beaufort Totoning. Donc si j'ai le bonus, c'est qu'à un moment donné, je suis dans le bon secteur. Je regarde, je vais être dans le briefing, dans le machin. Voilà, donc je suis dans le secteur de Beaufort Landing, donc je suis bien dans le bon secteur. Du coup, quand on fait ça, on gagne des bonus. Hop. On va essayer d'en griller un autre, puis après je vais faire autre chose. J'ai essayé de verbaliser les stationnements. Hey. Salut. Tac. Alors j'ai désactivé la radio, hein, comme je disais tout à l'heure, parce que sinon t'as des alertes tout le temps, toutes les secondes. C'est un petit peu chiant, mais quand t'es en train de faire quelque chose, il t'appelle et tout, c'est... 35... Ah, c'est là, elle a l'air de rouler vite, non? T'as de la chance. Allez, roulez vite, j'en vais en griller encore une. Après, je vais vous montrer un peu les stationnements, comment on les verbalise. Demain. 35. Ah, ah, ah. 44. Oh là là, alors lui. Au taquet, lui. Donc voilà, vous voyez un peu. Donc là, c'est quand on prend avec le radar. Hop. On va faire les stationnements maintenant. On va les traverser un peu.
Et du coup, au niveau des stationnements, donc il y a plusieurs choses à regarder, à savoir si le véhicule, là, il est voyé un peu, il est stationné du mauvais côté. Il a déjà, il n'a pas le droit. On a le parcmètre à vérifier. Donc là, il est marqué valide. Quand c'est pas valide, c'est en rouge. Il faut regarder aussi les plaques d'immatriculation, voir si ils sont bien datés. Ils sont pas expirés octobre 2023. Donc là, c'est bon. Le seul hic, c'est que la voiture, elle est du mauvais côté. Du coup, on va le verbaliser. Contravention, c'est positionnement, je crois, c'est ça. Et stationnement contre sens. Vous voyez, on est sur le trottoir ou empiètre trop sur la route. Hop là. On le verbalise. Et voyez un peu, j'ai eu un plus 10. Parce que c'est bon. C'est bien ce qu'il fallait faire. On regarde la plaque. Alors, on ne voit pas grand-chose. 2023, janvier 2023. Donc là, on est bon. Sauf que, voyez un peu, la roue, elle touche. Quoique, non, j'ai rien dit, je crois qu'il le touchait. Ah si, le parcmètre, il est pas bon, voyez un peu. Il est dépassé, le temps est dépassé, du coup, on va le verbaliser pour ça. Contravention, temps stationnement, hop, dépassé, du coup, on le verbalise, hop, dégage. Et voyez un peu, on voit bien la contravention en rouge qui est sur le pare-brise. Donc on fait toutes sortes de choses comme ça, c'est plutôt, plutôt sympa. Je crois que moi, ma journée est terminée, donc du coup, je vais aller... rentrer. Quelqu'un vient de vous saluer. Quelqu'un vient de me saluer. Ah. Salut. Et du coup, moi, je rentre au commissariat pour rendre mes rapports, faire le bilan de ma journée, tout simplement. Attends, c'est où, c'est là? Ah, les flics, c'est là, d'accord. Et du coup, une fois qu'on a fait ça, on rentre, hop, on retourne dans notre bureau. Et là, c'est une journée que type. Voilà, et là, on a d'autres bilans. Oh, j'ai fait une erreur, normalement, j'ai fait qu'une erreur de ma journée. Et une fois qu'on a fait, ça, en fait, ils vont nous débloquer d'autres capacités, on pourra faire d'autres actions, d'autres épreuves, d'autres défis. Tac, 7 sur 10. Ouais, en faut encore, faut que je fasse encore pas mal de choses encore. Hein. Tac. Voilà. Donc, c'est pas encore tout à fait ça encore. Oh, pareil, hein, pareil, s'il y a des missions, on a le droit à des jours de repos. On peut prendre des jours de congé, on a le droit à, je sais plus, je crois que c'est 3 jours de repos dans la semaine. Ce qui fait que si jamais le de ce que je trouve là ne m'intéresse pas, ah ben, je peux prendre une journée de congé. Alors, si je la prends, faut appuyer sur L1. Hop, j'appuie sur L1. Voilà, une nouvelle journée au bureau, jeter un œil à la patrouille. Et là, maintenant, j'ai refait une autre journée. Et du coup, on est basculé, je ne sais plus quel jour, je ne sais plus ce qu'on voit. Ah oui, on est à dimanche. On patrouille le dimanche. Alors là, on a... on va aller là-bas, hein, tranquille. Allez, let's go. On va changer de secteur. Donc c'est plutôt sympa, franchement j'aime bien. Et puis au fur et à mesure qu'on avance, on débloque quand même pas mal de capacités, de d'appareils, etc. pour nous aider dans le jeu. Alors s'il y en a des excès de vitesse, Alcon K. Alcon K, du coup je suis Alcon K, hein, c'est ça, ok. Ok. Hop, on va prendre une voiture de patrouille. On va prendre une voiture. Tetris. Ah, le véhicule n'a pas utilisé son clignotant. Est-ce qu'il s'est arrêté là? Ou est-ce que je peux... Ah ben voilà! Du coup, on va l'arrêter. Laisse partir, conducteur. Vérifier l'antécédent document. Ouais, on va vérifier quand même. Pas de permis, pièce d'identité, fausse pièce d'identité. Non, c'est pas ça, voiture. Non, conduite. Excès de vitesse, non respect du stop. Voilà, non utilisation du clignotant. Ouais, mais c'est pas bien.
demander les papiers du véhicule. Alors le pire c'est quand on fait ça, des fois on peut retrouver d'autres d'autres trucs qui vont pas des fois. Par exemple là, on retrouve que son permis de conduire n'est plus valide depuis 2021. Donc là c'est pas bien. Et le 2 avril 2022. Et en plus il roule sans assurance. Oh là là, c'est pas bien ça. Date de validité expirée et statut d'assurance. Permis de port d'armes, non. Et dossier d'infraction, et stationnement, vol de véhicule, conduite avec pare-brise endommagé. Ouais, c'est Lyon. Il y a total ce mec. Eh ben, toi t'es mal mon pote. Tac. Et du coup, voilà, on va faire ça. Conducteur. Pièce d'identité périmée. Et on va rajouter contravention. Si c'est ça, tac. Contravention. Mon avocat s'occupera de ça. Attends, parce qu'il y a aussi l'assurance aussi, mon pote. L'assurance n'est pas bon, du coup, hop, on l'allume direct. Ah non, merde, c'est pas ça que je voulais faire, attends. Tac. Et l'assurance n'est pas bonne. Donc, du coup, attends. C'est ça que je voulais faire. Conducteur et défaut d'assurance. Et contravention. T'es méchant. Non, Fabrice, non. Bah, je rigole pas. Mais... oui, c'est beaucoup de sous, mon pote. Donc là, c'est bon. On le laisse partir, du coup, constater. Là, c'est bon. Okay. Allez, casse-toi, man. Barre-toi. Moi, je prends mon véhicule. Allez, let's go. Bah, c'est tourné reparti, du coup. Let's go. Donc ça c'est bon. Alors, utiliser arrêt un véhicule pour immobiliser et contrôler. Ah bah je veux bien. Ok, on va essayer d'arrêter quelqu'un du coup. Let's go. Ah, du coup, il est là. C'est lequel le véhicule? C'est celui-là? Non? Non, c'est pas sûr. Bah, il est où le truc? Il y a rien. Bah, il y a rien. Trouvez le véhicule volé. Ah, c'est un rouge. Attends. Il y a un véhicule rouge de volé. Attends, on y va. Je sais pas, mais j'ai rien trouvé ici. Hein. Ah merde! Bah pourquoi il me réindique l'autre côté, lui? J'ai pas compris, là. Attends. Le GPS, il déconne. Non, c'est là-bas. Ah, il y a un véhicule bloqué, plaque d'immatriculation, 33W. Ok, d'accord. Bah... C'est quoi ce bordel? Pourquoi il me fait ça, lui? Alors, le GPS, il est malade. Hein. Attends, je vais aller tout. Je te mets au contrôle. Que je mette au contrôle? Comment ça, au contrôle? Allez, bouge. La route est barrée. Ah, la route est barrée. Oh, j'avais pas fait gaffe. Pas grave. C'est pas grave, on va chercher l'autre du coup. Véhicule volé normalement. C'est un pick-up, on dirait. Il y a un pick-up rouge. Ah merde! Oh putain! Oh, c'est bon.
Merde, je fais gagner tout le monde. Attends, il est où? Ah, attends, il est là-bas. Putain, il est là-bas, attends, je vais voir. Et il est là-bas, je le vois. Vite avant qu'il sorte de mon secteur. Est-ce qu'il va s'arrêter? Ouais, regarde, ça t'a arrêté. Allez, on y va, let's go. Les mots en l'air! Attends, je regarde la plaque. 33W343. 3JW343, et c'est celui-là. Nickel. Priorité Franklin, rouge foncé, camionnette. Conducteur. Alors, vérification des antécédents. Hop, pas de permis, tant pièce d'identité permis. Non, qu'est-ce que j'ai conduite? Ah, c'est un véhicule volé. Ok. Attends. Normalement, c'est là. Non, aspect de stop, c'est de vitesse, comportement. Non, c'est là en fait. C'est un véhicule volé, je suis con. Pas de permis de conduire, puis c'est des entités. Le véhicule correspond. Ah, voilà. Ah, c'est bon, j'ai eu bon, 10. Beaucoup de gens ont le même véhicule que moi. Bah oui, c'est ça. Demandez. Voilà. Hop. Ok, donc du coup, on va regarder un petit peu. Alors, en tout cas, le véhicule, ça passe. Ah ouais, mais elle m'a pas montré l'assurance. Donc là, c'est pas bien. Alors, du coup, tout est valide. Et déclaré comme volé. Oui, le véhicule est déclaré comme volé. Donc, toi, t'es mal barré. Ok. Véhicule déclaré comme volé. Ordonné de sortir du véhicule. I'd like you to leave your car and go to the sidewalk. Ok. Bah, je peux l'arrêter en fait maintenant. Je peux l'arrêter, attends. Je vais l'arrêter. Hein. Je vais l'arrêter en fait. Minuté. Port, lieu, narcotique, vérification d'accident. Attends. Vol de véhicule. C'est bon. Oh putain, c'est pas ça! Ah, c'est pas ça en plus. Je l'arrête pour rien. Tire-lui dessus comme ils font aux États-Unis. Non. Attends, j'ai fouillé le véhicule quand même. Mais je crois que j'ai pas le droit de faire ça. Normalement, j'ai le droit de fouiller le véhicule tant que je l'ai menotté. Colin, petite balle, portefeuille, 28 grammes de marijuana. Eh, elle a de la marijuana. T'as pas d'arme? Si, j'ai une arme. Elle a de la marijuana. C'est pas bien ça. Elle a de la marijuana. Ok. Donc. Raison d'inculpation. Narcotique. Cannabis. Peut-être. Ah merde, j'ai pas regardé le gramme qu'elle avait. Merde. La coke, c'est légalisé aux États-Unis. Ah ben pas sûr. Merde, trafic de narco. Merde. Conduite. Il y en avait combien? Je m'en rappelle même plus. Merde. Je m'en rappelle même plus combien il y en avait. Attends. Je m'en rappelle même plus. Alors, 28 grammes de marijuana. Elle a les pupilles dilatées. Marijuana. Ah merde, j'ai pas fait souffler dans le truc du coup. 28 grammes de marijuana. C'est beaucoup ça? Je sais même pas si ça fait beaucoup. Attends. Ah mais je vais pas fouiller non plus. Et la marijuana, je la mets dans quoi ça?
Cani, fracture blanchissime, lettre, d'accord. Ah, raison d'occupation. T'as pas le droit, tu as un mec, tu peux pas fouiller une dame. Bah, si, hein. Bah, je le fais. Conduite sous l'influence d'amphétamine, trafic de narcos. C'est ça, c'est trafic de narcos ce cas-là? Conduite sous l'influence de cannabis. Possession. Non, possession, parce que j'ai oublié de la faire souffler dans le machin. Voilà. Vous êtes nul comme flic. Bon, va chier, toi. Bon, ben c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et puis la voiture, je vais l'enlever, du coup. Appeler à des panneaux. Ah, c'est bon, plus 10. C'est bon. Et du coup, je vais appeler quelqu'un pour... Bon, en tout cas, j'aime bien le jeu, hein. Franchement, j'aime bien. C'est pas mal. Merde, je l'embarque. Normalement, il faut pas. Bon, tant pis. Bon, là, j'ai fait des erreurs. Malheureusement, j'ai fait des erreurs. Mais bon, c'est pas grave. Si, je la laisse, hein. Et des fois, il y en a, ils se barrent. Je les laisse, mais après, ils se barrent, des fois. Et là, c'est bon, d'accord. Il faut réparer la voiture. Non, je peux pas réparer la voiture. Ah, la mienne. Mon véhicule à moi. Gérer l'accrochage. On va gérer l'accrochage. Il y a un accrochage, on y va. La mienne. Ouais, ça va, tant qu'elle roule, c'est bon. Par contre, j'aime pas la vue interne. La vue interne, j'aime pas trop dans ce jeu-là. Je préfère largement la vue externe. Ah, oh, j'ai chaud. Bonne soirée demain, moi je vais continuer le foot après dodo. Ah, ok, pas de problème, Fabrice, merci d'être passé. Et puis, ben, bon match à toi et bon dodo. Hein. Moi, j'ai continué à arrêter quelques gens encore. Oh, comment il pollue lui. Ciao, ciao. Et voilà, accident les amis, hop. Allez, on va régler ça. Allez. Qu'est-ce que tu fous là, toi, dégage toi. Alors toi déjà, t'as la voiture, alors toi je t'allume. Toi je t'allume. Je peux pas l'allumer? Ah non, je peux pas. Ah si, je peux. This is Patrol 4561 speaking. I can take your request and set up a roadblock. Hey, hey, pull over to the side of the road. Putain, je vais m'enlever. Comme ça, il va pouvoir se garer. Parce que là, la fumée, pouf. Elle s'arrête? Ah, c'est au prix, elle s'arrête pas. Si? Ah si. Attends. T'as comment elle gonfle la voiture, comment elle fume. Ah non, ça n'a pas marché. Merde. Dispatch here, we have an emergency. Any available officers, please respond. Hey! Hey! Pull over to the side of the road. This is Patrol 4561. Taking care of the accident. Est-ce qu'elle va s'arrêter? Ah si, elle s'arrête. I can't put up a road. On y va. On va lui foutre une amende parce que sa voiture, Lyon, c'est un vrai pompier. Hein. Voilà. Alors du coup, conducteur. Pas de permis de conduire. Pièce. Non, attends. Conduite. Excès de vitesse. This is Patrol 4561. I'll handle the accident. Non, c'est la voiture, pas d'échappement. You've been detained for driving a smoky vehicle. Impossible! I got my car serviced recently. Ok, ordonné de sortir. Non, demander. Would you please show me your ID and the vehicle insurance? Patrol 456. On va voir si on trouve pas d'autres problèmes. Donc là, ça a l'air d'être bon. Bon, ça a l'air d'être bon. Hein. Tout est bon, tout est valide, pas de problème.
Ok. Mais on va l'allumer quand même. Constater une infraction. Voiture. Point d'échappement. Contravention. Et hop, dégage. Et on passe, c'est cher, hein. Allez, de 300 à 400 boules. Bah, petite, mais bah, allez, moi, je reviens sur mon accident. Hein. Enfin, je sais pas si elle est toujours là, mon accident. Putain, je crois que mon accident, il est plus là. Ah, merde, j'ai mon accident qui est plus lié, en fait. Utiliser arrêt de véhicule pour les immobiliser et les contrôler. Ah, mais il n'y a pas de problème. Ah, mon véhicule... Wesh, mon véhicule a touché, hein. Mon véhicule, il fume, hein. C'est pas grave. Par contre, j'ai vu quelqu'un, là, qui était pas bien. Attendez, je vais... Je vais plutôt les allumer, là. Attends. 2023, c'est bon. On est quel jour? On est dimanche. Non, c'est la voiture là, gars. Elle est pas mal, elle est pas bien. Et en plus, février 2022, la plaque, elle est plus bonne. La plaque est plus bonne. Ah bah lui, laisse tomber, là, il dégage. Contravention. Plaque. Position sur le trottoir. Et en plus, je peux même le rallumer. Hein. Et contravention parce que ta plaque d'immatriculation, elle est pourrie, mon pote. Et hop, next. Ouais, c'est déjà pas mal. Je l'ai bien allumé là. Alors, activer la radio. Si il y a des excès de vitesse, ça... J'irai un accrochage. Bon, on y va. On va gérer un accrochage. Et après, je pense que je pourrais peut-être terminer ma journée. Ah merde, j'ai plutôt géré le... Un accident grave. On va gérer un accident grave. On va faire ça plutôt. Ça, c'est pas trop loin. Éclairage sous châssis. Ah, ça, c'est pas le droit aussi. Cette voiture a un éclairage sous le châssis. Vous pouvez utiliser le panneau stop. Il est disponible ou lorsque vous accédez à votre voiture de patrouille, roulez derrière elle et utilisez votre sirène et la faire s'arrêter. Ah, ce sera mon premier, ça. Je pense qu'elle s'est arrêtée, je pense. Yes. Conducteur, voiture, éclairage sous le châssis, oh. On n'a pas le droit. Bah oui, hein. Hop, on va demander du coup permis et carte d'assurance, s'il vous plaît. On regarde. Alors, 25, 23, normalement c'est bon, on va regarder dans le fichier. Permis de port d'armes, non que dalle, déclaré coupable de vol. Ah, oh, elle a fait du vol. C'est une voleuse. Mais bon, là, c'était pas pour le vol, donc du coup, on s'en fout de ça. Ordonner de sortir du véhicule, non. Constater la fonction. Et du coup, voiture, éclairage. Et ça coûte combien, ça, du coup? 200 boules. Wow. 200 boules. Alright, you're free to go. Enjoy your day. Bonne journée à vous. Enfin, j'espère. Avec 200 boules. Ah bah, et nous, on va plutôt sur... sur l'accident grave. Alors, c'est l'accident grave, mais je profite quand même d'allumer d'autres gens. Tant qu'à faire, hein. Oh, putain, il y a le feu. Oh, il y a le feu. C'est la première fois que j'entre comme ça. Ah, merde.
Il y a quelqu'un qui est... Oh la vache, attends, je vais... Ah mais j'ai pas d'extincteur moi, je suis comment moi. Putain, j'ai même pas d'extincteur dans mon véhicule. Sur la 2 pour viser... Ah merde, mais je l'ai pas moi. Outil, recharger l'outil. Ah, attends. Prendre terre, indicateur de preuve, recharger l'outil. Ah non, j'ai pas d'extincteur. Merde, mais comment on fait pour avoir un extincteur? À ma vie, j'ai pas débloqué. Hein. Indicateur de preuve, prendre un poteau, prendre le cône, prendre des herses. Non, j'ai pas. Ah merde, je suis con, moi, du coup. Ordinateur de police. Mais comment je suis, moi, du coup, pour la 10 ans? Attends. Je dois d'abord éteindre l'incendie. Mais je peux pas éteindre l'incendie, j'ai pas de machin. Ah merde, mais je peux pas le faire, ça. Ah merde, je peux pas le faire. Putain, j'ai pas d'extincteur. Ah putain, merde, j'ai pas d'extincteur. Comment je fais? Je peux pas, du coup. Vous me manquez d'étoiles. Non, je peux pas. Je peux pas. Ah merde, je peux pas m'occuper de cette affaire-là. Ah, c'est con. J'ai pas d'extincteur. Bon, bah c'est tout. Tant pis. Je vous laisse dans votre merde. Je me casse. Ah merde. Bah, du coup, je peux pas. Est-ce que je peux pas récupérer un... Attends. J'ai tenté un truc, mais je pense pas que ça va marcher, parce que je pense que ça va vite couper, je pense. Je sais pas si je reviens dans le garage pour récupérer des... comment ? Récupérer des... un extincteur. Bon, c'est très con, hein, parce que le temps que ça se passe pour du vrai... merde. Allez, je te fais un constat quand même. C'est parce que t'es joli, hein, parce que sinon... Contrat... Show me your license and car insurance, please. This is Patrol 4561 speaking. I can take your request and set up a roadblock. This is your accident report. Please attend the nearest precinct to deposit your file. Brighton Police Department will take care of everything. This report is basically blank. I apologize for the accident. You don't need to worry about anything. The insurance will cover all the damage. Unacceptable. We need an officer to just give me the accident report. I'm afraid I can't make it. You're good to go. Drive safe and have a nice day. Ciao, ciao. Ouais, voyez un peu. Maintenant, j'ai pu. Mais je vais voir si je peux pas mettre un extincteur. Mais du coup, j'ai réparé mon véhicule. J'allais dans le garage. C'est pas plus mal parce que le véhicule est complètement naze. De toute façon, ma journée est presque terminée, hein, de boulot. Patrol 4561 responding. I will locate the vehicle you are looking for. Ben oui, mais accident grave. T'as il où le garage? Il est là le garage. This is Patrol 4561. Je vais voir si je peux pas mettre un extincteur. Hein. Je pense pas que j'ai débloqué l'extincteur. Je pense pas que j'ai débloqué l'extincteur. Patrol 4561 responding. Extincteur. Ah si je peux. Ah si je peux en prendre. Voilà tout ce que je peux faire en fait. Ah si je peux en plus. Quitter le garage. Ah c'est bon, j'ai l'extincteur. S'il y a un truc d'urgent, on le fera du coup. Nickel, et ma voiture elle est réparée. Ah super. Attendez, faut que je me pars comme ça. Trop bien, on a un extincteur. On va essayer de voir un cas où il y a du feu. Désactiver, appel radio activé. J'ai rien d'accrochage. Bon, on va gérer un accrochage en attendant.
d'avoir mieux. Merde, bah oui, c'est une urgence quand même. Merde, ça, moi. Ah merde! Bon, ça, ça va pas compter. On peut pas écraser les gens, donc ça va. Alors, accrochage, il est où? Il est où? Il est là-bas. Enfin, on y va. Par contre, il faut que j'essaie de gagner des étoiles hein, pour améliorer un petit peu et récupérer pas mal de secteurs et de missions. Varier du moins, pour varier un peu les missions. Voilà. Bon, on va gérer ça du coup. Alors, voyons voir. T'es ouf, toi? Hey! Hey! Pull over to the side of the road! Hey! Hey! Pull over to the side of the road! Hey! Hey! Pull over to the side of the road! Je sais pas, je peux. Hey! Pull over to the side of the road! Hey! Oh. Hey! Hey! Pull over to the side of the road! Je sais pas, elle va pas y aller, hein. Elle ira après, à mon avis, je pense. Vouloir s'échapper? Bah, la voiture, elle a disparu. L'arnaque. L'arnaque. Ok, bon allez, on s'occupe de ça. Non, attends, tac. Let me hear what you saw. I'm still recovering from the crash. My mind is blank. I'd like to see your ID and car insurance, please. Here you go, officer. Alors, 23... Normalement c'est bon. Statut d'enregistrement invalide. Ça je comprends pas. Je sais pas comment on peut le verbaliser sur le statut d'enregistrement. Je sais pas à quoi ça correspond ce truc là. Je sais pas si c'est une verbalisation là-dessus. Ça je comprends pas du tout. C'est pas grave. Alors, on va le faire le test d'alcoolémie. Okay, let's just check if you're under the influence of alcohol. Zéro. Ok, donc il n'a pas picolé. C'est déjà ça. Tac, je reviens voir la nana. I can't put up a roadblock right now. Can anyone help? Can you tell me what you saw? I don't understand what happened, officer. Je comprends rien du tout, ok. Show me your ID and car insurance, please. Pièce d'identité, s'il te plaît. Sure, officer. Here you go. A driver is exhibiting reckless driving behavior. Par contre, défaut de permis. Et là, c'est bon. Date de validation dépassée pour le permis. Patrol 4561 responding. I will locate the vehicle you are looking for. You're being charged and ticketed for between $75 and $100 for using. Alors donc je t'allume ça et plus accident, on pas de bol. Ah merde, j'ai pas fait souffler dans le. Attends, j'ai pas fait tout ça dans le truc. Allez, on souffle encore. Zéro, ils ont pas picolé en tout cas. Ok, donc du coup, on va prendre des preuves pour machin. Alors non, c'est suffisant, mais j'en fais toujours un peu plus. Parce que je veux bien les trouver. Pare-choc, déglingué. Oh la vache, plus cher. Hein. Putain, ils n'arrêtent pas de t'appeler alors que t'es déjà sur un truc. Ah, le procès verbal est complet. Ah, j'ai fait un procès verbal complet, du coup j'ai pouvoir l'ordonner. Procès verbal, j'ordonne.
Such a comprehensive report will be very useful. Vas-y, thank you. Et du coup, bah, maintenant elle peut circuler. Hein. You're free to go. Stay safe and have a great day. Par contre, elle a pris cher. Hein. Et lui, et du coup, je t'ordonne ton procès. Okay, machin. Here's your accident report. Oh wow. Such an extensive report. Ah oui, très détaillé, que du gros, toi. Et we're tu peux te casser maintenant. Casse-toi maintenant. Nice. Bouge. Alors, est-ce qu'il peut reprendre le véhicule? Elle a pu reprendre le véhicule et lui aussi, donc ça va nickel. Ils peuvent reprendre le véhicule et nous, on reprend la route, tout simplement. Oh là, il a fait une procédure en cul. Ok, on cherche un conducteur, on y va. Avec la plaque 140, ok. On y va. C'est une voiture blanche, on dirait un pick-up blanc. On y va, il est là. Ah, c'est là. Voilà, attends, je vais mettre là de derrière. Voilà. Trouver conducteur recherché. Alors, conducteur est recherché. Alors, je sais pas pourquoi, mais t'es recherché. Attends, je regarde la plaque. Normalement, c'est la bonne. 1EE141. Donc, c'est la bonne personne. Alors. Conducteuris. Véhicule correspondant aussi à un nom. Je pense que tu as le mauvais nom. Je n'ai rien fait. Would you please show me your ID and the vehicle insurance? Sure, here you go, officer. Est-ce que c'est un véhicule? Alors, ah mais non. Un E141. Bah si, c'est sa voiture en plus. Il y a un mandat d'arrêt quand même sur elle. Il y a un mandat d'arrêt, donc normalement je t'arrête. Je t'arrête. C'est parti, ordonné de sortir. Non, c'est ça, hein. Attends. Bah, il y a le défaut. Merde, c'était quoi déjà? Je sais plus. Dans tous les cas. Please exit the vehicle and step to the sidewalk. Attends. Alors si je fais ça. Attends, dépistage, essai, constater. Non, parce que normalement je vais la menoter parce qu'elle est recherchée normalement. Fuite. Coup de blessure, vol, vol de véhicule. Non, mandat d'arrêt, non, il y a un mandat d'arrêt sur elle. Ouais, c'est ça, plus 80, ouais, plus 80 en plus. Je récupère 80 direct. Là, ça vaut le coup, quoi. Attends, maintenant je peux fouiller le véhicule. J'ai fouillé le véhicule. Il n'y a rien du tout, on va regarder à l'arrière. Bon, je pense qu'elle a été juste recherchée, je pense. Il n'y a rien. Je vais regarder à l'avant. Côté conducteur. Il n'y a rien du tout. Ok, donc du coup, on va faire appeler une dépanneuse. I have a vehicle here for towing. On va appeler une dépanneuse. Tow truck to my current location. Tow truck will arrive at your location. Hi. Et elle, t'es mal barré, toi. Et du coup, bah, c'est tout en fait. Il n'y a plus qu'à appeler quelqu'un pour venir la rechercher, et puis c'est bon. Tac. I need backup to take a subject into custody.
Voilà. Understood. Plus 15. Donc c'est bon. Nickel. Bon, ben j'ai fini ma journée du coup. Moi je me casse. Donc j'attends qu'ils viennent la rechercher et puis après c'est bon. Je désactive ma radio parce que sinon je suis encore. Bon, elle vient la chercher ou pas? Ça y est, là. Voilà les renforts. Bon, ben voilà. Hop, moi je rentre au bercail. J'ai fini ma journée. Et même lui, il a pas le droit, gars. T'as vu la lumière? Oh, pareil, hein, j'ai débloqué normalement une nouvelle activité. C'est maintenant, je peux arrêter les personnes qui font des graffitis sur les murs. J'ai la possibilité de les arrêter. Donc ça, c'est cool. Oh, il y avait un problème là, je crois. On va retourner au commissariat le plus proche. Ça a l'air d'être à droite, on dirait, non? Gauche. Ok. 90, je suis pas loin. Je suis pas loin du commissariat de police. Quand tu veux, mon kiki. Ah, c'est police, la merde, le con. On va faire comme ça. Bon, c'est pas très cool, mais ça m'évite de faire le grand tour. Ouais, je suis flic, hein, je sais ce que je veux. Hein. Ah merde, ils ont mis des codes. Ah putain, les boules. C'est pas grave. Je sors de là. Trop bien. Alors, par contre, maintenant, je penserai à équiper mes véhicules de des extincteurs et tous les bords, tous les outils que j'ai en ma possession. Du coup, c'est bon. Bah nickel, on a terminé notre journée. Du coup, on y va. Puis je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui. Plutôt cool. Hop. Alors du coup, mon bureau, il est où? Je sais plus où il est. Ah, il est là-bas, peut-être. C'est pas sûr? Merde. Il est où, mon bureau? C'est pas sûr. C'est sûr. Ok, donc voilà. Journée type du policier. Bon, je fais pas mal d'erreurs, hein, quand même, malheureusement. Et du coup, tu peux avoir tous les détails, en fait. Ça, c'est cool. Ah, j'ai presque 8. Ah, dommage. Vous voyez, on a tout à justifier, demander d'arrêt, duplicata, vérification de la pièce d'identité. Il y en a un que j'ai fauté, c'est sûr. Vol de véhicule. Ouais, j'ai arrêté la personne pour vol de véhicule, raison d'inculpation qui était bidon, en fait. Demande de transport d'arrestation. Ouais, enfin, en compte, il fallait pas, en fait. Ça, c'était carrément une erreur. Et puis, il y a les dates, l'heure et tout. Et franchement, c'est vachement cool. Ok. Donc, voilà. Ah oui, c'est vrai qu'on est... Normalement, on doit être lundi, je crois, c'est ça? On est lundi. Alors, à chaque fois que dans le jeu, quand on est tous les lundis, il faut choisir notre section, notre secteur de mission. Et une fois qu'on y sera, on y sera pour toute la semaine. Ça, c'est plutôt sympa. Et pareil, on a le droit à 3 jours de congé. S'il y a des missions qui ne nous intéressent pas, eh ben, on peut passer à autre chose. Donc ça, c'est plutôt sympa. Mais je vais quand même rester dans le meeting pod. Bon, ce sera pour la prochaine fois. Je vais quand même rester ici. Alors, vous voyez un peu, ici, il me reste encore à débloquer. Donc, niveau 8, je pourrais débloquer donc les glissières de sécurité et les cônes de signalisation. Alors, je sais pas si c'est pareil ici. Attendez, j'ai regardé juste en vitesse. Ah non, il y a autre chose. Il y a les Jefferson, on va pouvoir plaquer les gens, ça c'est cool. Quartier financier de Calonne, voiture de patrouille Gladiator 6 que je pourrais débloquer. Escorter les criminels, je vais pouvoir escorter les criminels après, ça c'est bien. Beton, appel, voleur de portefeuille. Il va avoir des vols de portefeuille, suspect de recherché. Arrestation de trafiquants de drogue.
et les premiers secours qu'on pourra faire. Franchement, mais il est trop bien ce jeu. Vraiment trop trop cool. Et ici, il y a quoi ? Voiture de patrouille Panther, appel d'urgence, scène de crime, indicateur de preuve, outil, ça c'est cool. Appel d'urgence, enquête sur le lieu de délit, outil, poteau de sécurité. Outil, poteau de sécurité. Des poteaux. Ah, c'est des gros poteaux pour. On va faire les barrages, je pense. Et Nelson Hill, qu'on aura des boucles claquées, d'accord. Et puis il y a des trucs qui sont un peu cachés. Franchement, c'est cool. C'est vraiment très sympa. Il y a encore plein, plein de choses encore à débloquer. Pour débloquer encore tout plein de missions différentes. C'est vraiment très, très sympa. Enfin, voilà. En tout cas, c'était donc Police Simulator. Patrol Officer, et sachez qu'il y a Highway Patrol Expansion qui est sorti mardi et qui bénéficie d'une petite map en plus avec des interventions sur autoroute. Ça, c'est plutôt sympa, et sachez qu'il est inclus dans la version Gold du jeu. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à liker la vidéo, hein, ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao.